Yo mes amis beaux du samedi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Snapchat, la numéro 4. Ça fait super longtemps que vous me la demandez et c'est vrai que c'est une véritable interaction avec vous les amis beaux. Et je me régale à regarder vos collections et aussi tous vos délires que vous m'envoyez par Snapchat. Du coup hier soir j'ai fait une petite annonce sur le Snap Conquer Axe. Je vous ai dit balancez-moi un petit peu vos collections, vos vidéos et vous avez été très nombreux à participer. Je vais donc vous montrer tout ça et je vais essayer d'en faire passer un maximum les amis beaux. Et m'en voulez pas si je peux pas faire tout passer parce que ça pourrait durer certainement une plombe. J'en ai reçu une bonne trentaine quand même. Donc voilà, alors on y va tout de suite. On attaque avec ces snaps. Alors les amis beaux, on va commencer tout de suite par ouvrir l'application Snapchat, bien entendu. Comme d'habitude, si vous aimez le principe et si vous avez envie de m'aider un petit peu sur ces vidéos, d'être au top, mettez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir vraiment. Et je suis content parce qu'on a été dans les premiers à lancer ça sur la collection de jeux vidéo, même si ça existait déjà depuis un moment, je le sais. Donc voilà, je me vois en même temps sur Snapchat. Donc c'est super cool les amis beaux. Et on attaque tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de snaps ici. Donc une bonne trentaine. Et on va commencer tout de suite sans plus attendre avec Massimo qui m'envoie. Merci de m'avoir ajouté, j'adore tes vidéos sur YouTube. Eh bien écoute, merci beaucoup Massimo, ça fait super plaisir l'ami. On enchaîne avec Théo Brière, attention une vidéo. Bon. Alors le problème c'est que je trouve pas comment débarrer la bataille. Sur Super Smash Bros Melee. Il sait pas comment débarrer la bataille. Mais il faut appuyer sur Start l'ami normalement. Si je m'en souviens bien. Ensuite on a TheR35. Alors TheR35, l'ami certainement marseillais je crois. Donc lol Fay, petite question pour toi. Je voulais te dire quelle console choisirais-tu avec quel jeu. Et quelle console ne choisirais-tu pas avec quel jeu et pourquoi. Voilà, merci et continue tes vidéos. Waouh, alors je choisirais, ça va pas être original du tout. Mais bon, allez je vais changer un petit peu. Je vais pas dire Conquer, je vais dire je prendrai une Gamecube. Bien entendu avec Star Fox Adventure. C'est un jeu que je peux refaire à volonté. Je l'ai adoré. Une console que je ne choisirais pas avec un jeu que je choisirais pas, ça serait la Master System 2 que je choisirais pas parce que j'y joue quasiment jamais hein, même si c'est une bonne console. Et avec le jeu Olympic Gold, je crois que c'était, enfin voilà, jeux olympiques sur Master System 2, je pense que je les toucherai pas. Voilà, on espère avoir répondu à ta question R35. On enchaîne avec Matisse qui m'envoie une photo à mon avis de son lit, je sais pas, je vois pas trop. Ah non, c'est par terre. Avec la PS Vita en fond, la 3.6, d'accord, c'est une petite collection avec un néon bleu. Et bah écoute, ça fait plaisir. Ah bah attends, il y a une vidéo, petite vidéo avec sa collection PS2, Jak and Daxter, Need for Speed, de très très bonnes choses. Et bah écoute, ça fait plaisir Mathis, des bons jeux, des classiques hein, sur PS2. On a ensuite, alors, ça c'est Raphaël, mon petit frère, voilà. N'importe quoi. Petit coucou à mon Raph, hein, si tu vois la vidéo. Donc ensuite, on a encore des messages avec Corentin VST, ma petite collection, donc on va l'ouvrir. Effectivement, très jolie collection dans l'armoire, hein, Corentin, franchement, ça passe nickel, avec des jeux Wii U, beaucoup de jeux PS2, PS3, donc on voit que c'est plutôt axé Sony quand même, hein. Mais franchement, très jolie armoire avec le Mario Maker qu'on peut voir, qui est un excellent jeu, on peut créer ses niveaux de Mario, donc n'hésitez pas à vous le prendre. On a le poteau Ishman maintenant, qui m'envoie plusieurs photos, donc sa collection Assassin's Creed. Yo, le reste est dans les cartons. Eh ben c'est déjà pas mal. Ishman encore ça. On a des jeux Sega Saturn, Jack Black, je connaissais pas, tiens. Knight, Doom, Panzer Dragoon, des grands classiques. Effectivement. Ah, et le fameux Gun, hein, Time Crisis, Project Titan. Ça, c'est pas facile à trouver, franchement, maintenant. Et bien joué de l'avoir rentré complet. C'est top, l'ami Ishman. C'est top. On continue avec Tom CDT. Tom CDT qui m'envoie une photo également. Je t'adore, Conquerax Mario 020. Oh, c'est énorme les effets qu'on peut faire maintenant avec Snapchat, c'est du grand n'importe quoi, franchement, ça devient bordel. Lulu Gaming 46, je commence ma collection de JV, je vais essayer de tourner ça, je sais pas si on peut le voir, bon, je pense pas. Coucou Koukaras, combien te manques-tu de jeux pour ton full set? Bonne chance pour ton full set. Ratatouille, je crois pas que je l'ai Ratatouille, tiens. Bonne question, il faudrait que je regarde sur le fichier, je vous mettrai dans la description le lien Excel hein, de mon full set. Il me manque à peu près 150 jeux, on va dire, pour finir le full set. Allez, une vidéo de Tanguy. Ah, j'ai pas pu l'avoir, je sais pas pourquoi. Petit bug, hein, Tanguy, je suis désolé. Des fois, ça le fait sur Snapchat, c'est un peu la merde. Alors, Jaillet Jean-Luc qui m'envoie une photo. Coucou, Assassin's Creed 2, Far Cry, Hitman. Des bons jeux, hein, des classiques sur 3.6. On a Léon 35131 qui m'envoie également. OKLM, OKLM, fiston.
Allez, petite vidéo de Awesome Binou. J'essaye d'en faire le plus possible, les amis. Bon. C'est Deadpool et Deadpool Dog. Je suis Deadpool, actualité du moment, et Deadpool Dog. Et bah, tu feras un gros bisou à Deadpool Dog qui est très très mignon. Donc, Frédéric Loubet qui m'envoie une photo. Allô, Kung Fu Rider, Puzzle, Superstar, Trouvaille à la con du soir. Allez, Nizen qui m'envoie un message. Allez voir son. Sa chaîne hein, sur les mangas, c'est quoi ton Twitch, mordre? Ah non merde, je suis déjà abonné à ton Twitch, je suis con, sorry for le dérangement. N'hésitez pas à rejoindre la page Twitch où on est en live et on se régale. J'en profite, je fais ma petite pub, hein. Voilà, Nizen. Donc, Melvin, Yokonkorax, te considères-tu comme youtubeur ou collectionneur à présent? Bonne continuation. Très bonne question, bah je me considère comme les deux en fait maintenant, c'est vrai, comme youtubeur parce que je propose un contenu assez régulier, on va dire 2-3 fois par semaine je vous sors des vidéos, et aussi comme collectionneur hein, bien entendu, parce que je pourrais pas vous présenter toutes ces collections si j'étais pas collectionneur, ça c'est un passionné avant tout je pense, voilà, c'est surtout ça. Allez, on enchaîne avec Erwan, une vidéo de Erwan Magalhaes, voilà. Voilà. Ouais, Contrax, salut à toi, c'était pour savoir quel est ton youtubeur gaming et non gaming préféré. Allez, salam. Ah, alors une grande question qu'on me pose très souvent, Erwan, quel est ton youtubeur gaming et non gaming préféré? Franchement, c'est super difficile de répondre à cette question. Comme je le dis tout le temps, je peux pas te donner de réponse, je suis vraiment désolé. Il y en a beaucoup que je suis, des youtubeurs collection, gaming, voilà, il y en a plein. Et c'est assez compliqué, hein, franchement, il y en a plein que j'adore. Donc voilà, désolé, je pourrais pas répondre à cette question, l'ami, c'est trop compliqué, j'ai plein d'abonnements, donc voilà. Ensuite, Dragon Ball, super, tiens, qui m'envoie un message, Dragon Ball. La New 3DS Super Famicom, je l'ai posté sur ma page Facebook, ça va plaire à Boya. Franchement, énorme ce qu'ils ont fait, c'est exclusif au Japon pour l'instant, donc ça me fan, j'espère qu'ils vont la sortir en France, je sens que je vais succomber. Maximus D. Carter, vas-tu ouvrir un périscope? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est vrai que je vois que cette application est en vogue en ce moment, donc à voir. Jojo7 qui m'envoie un message. Ma collection d'amiibo, waouh, super collection Jojo. Oh putain, c'est bien présenté comme ça en plus. On dirait au Nintendo World, je me rappelle, c'était un peu présenté comme ça. Bon, il y avait des piliers avec le Mario Gold au milieu comme ça. Super collection Jojo, franchement super. Maximus D. Carter qui m'envoie, salut, tu vas bien, belle vidéo pour ton lot, tu vends le Ico en double. Alors le Ico en double, je l'ai changé à Xeros, certainement dans une de ses vidéos, vous le verrez, contre le Metal Gear Snake Revenge, enfin le Snake Revenge, hein, parce que c'était pas un Metal Gear au départ sur NES. Donc désolé mon ami Maximus. Mr. Bad 22, waouh, il m'a envoyé plein de messages. Quel jeu me conseilles-tu sur One? Sur PS2, sinon je fais une super vidéo, j'espère que je passerai. Plusieurs possibilités, je me mets à. Ouh là là, bon alors attends, je vais répondre à tes questions d'abord. Quel jeu me conseilles-tu sur Xbox One? Quel jeu me conseilles-tu sur PS2? Sinon tu fais des super vidéos, j'espère que je passerai. Et ben voilà, tu passes. Donc sur Xbox One, un jeu que je peux conseiller, ben c'est Halo 5, hein, parce que c'est la meilleure exclue pour moi Xbox One à l'heure actuelle, on va dire. Et un jeu que je peux te conseiller sur PS2, c'est quand même très très compliqué, mais Budokai 3, moi je m'étais régalé si t'aimes les jeux de combat et Dragon Ball. Dragon Ball Budokai 3, c'est un jeu qui me vient en tête comme ça. Sinon toute la série des GTA, bien entendu, à l'époque, c'est quand même des très bons jeux, même si c'est des grands classiques maintenant. Alors on enchaîne, et on va bientôt finir, hein, avec Nico El Pocho qui m'envoie une photo. Le jeu le plus chelou de ma collègue, BYW Don't Try This At Home. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Une bonne rentrée dans la collecte. Siberia, esthétique du jeu. Ah ouais, ça Siberia, c'était du lourd, hein, franchement. Bah bien joué Nico, et je me demande ce que c'est ce jeu, tu m'en parleras un petit peu plus. Allez Mathias avec plein de smiles. Nouvelle acquisition à la Gamecube. Très bonne console la Gamecube, c'est très très bon, c'est bien ça, c'est bien Mathias. Groot client. Alors je vois pas très très bien, je suis désolé l'ami. Mais je vois qu'il y a Max Payne, qu'il y a des Ultra Street Fighter, Assassin's Creed, donc des grands classiques PS3, des très bons jeux, donc voilà, bah, qu'il y ait bien, bien joué. On a mon Baba, le Baba, mon Macroud, Hervé Chemla, Hervé249, allez voir sa chaîne, le rideau. C'est parti pour la neige à Paris. Ah ouais, bah à Paris, il neige, hein, les gars. Dans la famille Baba, je veux le neveu. Eh putain, c'est une star son neveu sur Equidia. Je fais une grosse bise, mon petit baba. Lucas Patti qui m'envoie Conquerax, continue, tu es super. Je te remercie vraiment, ça me touche toujours énormément de tous vos soutiens. C'est un truc de fou. Et avec Conquer Live and Reloaded en plus sur Xbox, achetez-le si vous l'avez pas. Ce jeu, c'est vraiment une tuerie, l'un des meilleurs jeux du monde. Donc voilà. Benoît Delamotte, mon poteau Benoît d'Irlande, voilà, qui est dans mon école, qui m'envoie un snap. Qu'on appelle une famille d'accueil super sympa. Des petits présents pour mon anniversaire. Ouh,
Ah, c'est son anniversaire, alors je souhaite bon anniversaire en plus quand je fais cette vidéo. Et franchement, ça fait super plaisir d'avoir tes nouvelles, Benoît. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Je te fais une grosse bise, l'amibo. Et le geek pur du 62, on va terminer. Wesh Conquer, super tes vidéos, continue. Donc il y a plein de snaps. J'espère que je vais être dans ta vidéo. Et tu y es, effectivement. C'est quoi ton idée PS3? Alors, moi en fait, à l'heure actuelle, je joue pas du tout à la Play 3. Vraiment, ils sont mis de côté, donc ça sert. À que dalle, hein, franchement, je te le dis clairement. Ma collègue de PS3, donc très bien, franchement. Battlefield, Call of Duty, bon, du classique. Moi, je suis pas très Call of, hein, en toute franchise. Je suis pas très Call of, hein, voilà, je suis plus Halo. Ma lampe avec le logo Play, franchement sympa. Vraiment très sympa. Et on va terminer ici cette vidéo Snapchat, les amiibo. Donc, vraiment, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait trop plaisir si vous en voulez d'autres. À m'envoyer vos snaps, parce que hier soir, j'ai proposé une vidéo Snap et je vous dis envoyez-moi les snaps, etc. Donc vous avez été nombreux, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, bien entendu, à passer sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Twitch, qu'on fait des petits lives ensemble. Il y a tout qui est affiché ici. Et vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites. On a dépassé les 500 000 vues sur la chaîne. C'est un truc de malade mental. Donc merci du fond du cœur, les amiibo. Et je vous dis à la prochaine. Bon week-end et demain, live vide grenier pour vous. Ciao tout le monde.